Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, petit retour sur le LINS C4 de Zayek avec un crochetage dans le sens d'entraînement horaire. Voilà, donc dans le sens anti-horaire, on plaçait la barre latérale en premier et donc là on va attaquer les goupilles du bas en premier. Donc je les attaque par la droite hein, pour essayer d'être dans le sens inverse de l'entraînement, hein. Souvent ça passe mieux. Et donc j'attaque par la cinquième, quatrième. Donc la cinquième m'a donné un petit clic avec un petit renvoi dans l'entraîneur, hein, donc c'est pas mal. Mais après, les sensations sont plus diffuses. Hein. Voilà, donc cinquième, quatrième, troisième. Deuxième, première. Donc je rattaque troisième, quatrième, la troisième bien basse. Donc toujours pareil, hein, des petites touches, on enfonce par petites touches les goupilles. On guette un petit clic. Et en priorité, on essaye de faire les goupilles qui sont les plus dures. Donc aucune indication au niveau de l'entraîneur, hein, c'est très frustrant, style T60. On essaye d'avoir un entraînement assez léger, hein, le plus léger possible même, parce que ça sert à rien de bourriner dessus, ça apporte pas grand-chose. Voilà, bon là il se passe pas grand chose, je vais taper les goupilles du haut. Alors, elles sont toujours molles, donc en bas, il y a encore du boulot a priori. Donc du rotocard. Bon, je suis pas trop habitué à ce sens, à utiliser le pic dans ce sens-là. Voilà. Mais bon, ça fait partie du jeu. Faut pouvoir l'utiliser dans tous les sens. Donc, retattage des goupilles du haut. Voilà, c'est un peu plus dur. Donc, je dois être pas mal en bas, je pense. Voilà, première en long clic. Deuxième. Retour sur la première et l'ouverture.